Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve seyyidil murselin. Seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Donc nous continuons nos chapitres dans ma yakuluhu iza rakiba dabbatahu lissafar. Qui est un jimoun bizanliya? Quand il monte le saumonture, quand il rentre dans ce transport pour lui voyager. حديث 973 وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال rapporté par un sahabi qui s'appelle Abdullah ibn Sarjis رضي الله عنه لجيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر quand Rasulullah صلى الله عليه وسلم qui peut voyager et c'est une habitude demande Allah protection contre wa'atha is-safar, comme on a trouvé hier, c'est une calamité, un problème qui normalement j'ai gagné dans le voyage. Wa ka'abatil munqalab, et une mauvaise quelque chose, une mauvaise surprise, ou soit une mauvaise nouvelle, une mauvaise quelque chose qu'il est capable de trouver quand il est retourné. Ça veut dire quand j'ai retourné depuis le voyage, dernière quelque chose qu'il a envie, c'est une mauvaise nouvelle. Si pas du monde il meurt dans sa famille ou soit du monde malade ou soit je t'ai fait quelque chose qui est pas correct, donc j'imagine Allah subhanahu wa ta'ala protection contre ça. Il y implique aussi sur l'argent, sur du bien et que sur ma possession, sur la case, ainsi de suite. Wal hawri ba'd al kawr ou soit wal hawri ba'd al kawn, et qui lui sorti depuis dans istiqama, qui lui comment dire détourne lui après qui ça du monde là lui détourne lui après qu'il finit gagner la guidance. Alors ça c'est une façon moins traduite. Inch'Allah, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, pour expliquer nous plus l'eau là, sa expression là. Wa da'watil mazloum, et lui subit une protection contre, doit un mazloum. Un mazloum, c'est un djimoun qui peut subir l'injustice. C'est un djimoun qui les autres peuvent faire dominer l'eau là, les autres peuvent faire l'injustice l'eau là, il peut subir. Et là, quand il fait un doigt, comme on déjà apprend, pena hijab, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa djimoun là, ce doigt. Parmi les gens que je ne dois pas rejeter, je dois accepter, c'est les mazloum. Ça veut dire les gens qui peuvent, les autres êtres, qui peuvent subir l'injustice. Alors, ça dit les gens qui peuvent faire l'injustice là, il est besoin de faire beaucoup attention, parce que si ça l'autre là fait un doigt là, ça porte là. Alors, Rasoul Sallam, il peut montrer nous, faire un doigt contre, prendre protection contre le doigt de mazloum. Alors, avant qu'il nous prenne protection, nous besoin quand même prendre compte. Attention, comme Manu Lama mentionné, attention qu'il y ait une petite kikane derrière. Du monde là, il peut voyager, il y a une petite kikane qui lui fait faire l'injustice avec lui, qu'il soit dans son logement, ou soit il fait un abus du monde là, c'est pas verbalement, ou soit physiquement, il fait une batterie, ou soit il fait un abonnement, il y a du monde qui doit, mais il peut aller comme ça sans rembourser, d'être pas connu, si pas il pourrait s'y rembourser, ainsi de suite. Comme ça, nous devons veiller à tout bas de l'injustice qu'il fait. Attention qu'il y ait dans le voyage. Dans un moment difficile, le djimoun là peut gagner une difficulté là-bas. Sur lesquels il risque un tigine lui faire droit contre ça là-là. Finalement, cette difficulté peut augmenter. Ou soit, comme Manu Lama dit, peut-être qu'il peut faire l'injustice de sa propre monture. Comme l'exemple nous finit trouver dans un hadith précédent. Et là, ça peut porter contre lui. Ou soit, pendant le voyage, le djimoun avec lequel il peut voyager, il peut faire l'injustice envers eux. Il peut manquer à ce devoir envers ce bandit-là. Et là, définitivement, si ce bandit-là, dans la difficulté qu'ils ont été dans le voyage, de te faire droit, alors ça peut porter. Donc ça, a besoin de faire beaucoup attention. Rasulullah sallam, donc, il montre nous en protection contre ça. Wa su'il mandari fil ahli wal mal, et protège-lui, divine protection contre une mauvaise vue. Ça veut dire qu'il y trouve une mauvaise quelque chose dans sa famille, ou soit dans ce dit bien. Ça veut dire attention qu'il, quand il retourne, ou soit dans le voyage, même il y a une nouvelle qui n'arrive qu'il problème dans sa famille, ou soit il n'arrive qu'il problème dans sa possession. Alors, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, là, il explique sa terme, al-hawri ba'd al-kaun. Sa kaun là, il dit, il y a certains, je t'ai un rapport avec nous, bil-kaun, et là, il rapporte lui avec ra, le vin bil-kaur. So meaning c'est arrojou min al istiqamati ou al ziyadati ila al naqs. Qui dit mon là, les fin gagne istiqama, les fin gagne la guidance, les fin avancer dans le cheminement vers Allah, les correct en termes taqwa, en termes spirituel. Après ça qui arrive, les détourne les. Après ça, il y a un manquement là-dedans. Souvent, une fois arrive nous ça, nous trouver qu'il nous arrive un état
istiqama, alhamdulillah. Après ça, nous aussi pas perdu l'enthousiasme. Ou soit arrive une quelque chose que nous glisse dans un péché, ou soit nous faire une négligence, les là il y a un oxan là-dedans. Alors nous, qui nous besoin faire, nous besoin faire ta oba revenir, recontinuer comme ça nous besoin faire. Mais quand il s'agit de ban aulia, ban abrar, vous autres ça petit glissement là même, il y a une catastrophe ça. Alors c'est ça que Rasoul sallam dit, montrez-nous du ban protection. Il n'est pas pour glisser, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est mal, il peut montrer nous, diman protection, min al-haour ba'd al-kaour, ou ça al-haour ba'd al-kaoun, qui après qui nous fait gain guidance, après qui nous fait correct, qui nous a glissé, nous a tombé dans mauvais chemin. Khalou, ban ulama, dit aussi, wa riwayat al-ra'a, ma'khouda min takwir al-imama. S'il nous prend lui dans ce version kaour, là, il sortit dans le mot takwir. Al-imama. Imama veut dire amama. Ça veut dire quand un djimoun, il fait une prend sur amama, il fait une tourne, il fait une attache bien le sur la tête, comme on dit, il y a un istiqama là-dedans. Alors, si ça amama là pour défaire, là, il n'est pas pour bon. Donc, il y a un type comme ça, qui nous dit istiqama, mais nous pas dit ban quelque chose qui pour faire, qui imama là pour défaire, qui djimoun là sur spiritualité pour souffrir. Alors, nous avons un hadith dans ce chapitre là. 974 وعن علي بن ربيعة قال أن تابعي أن غان تابعي بامي من كبار دام التابعي رضي الله عنه علي بن ربيعة لجيا شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابته ليركبها علوم في التموي أن إذن ما كنت أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سالبوكلا سيدنا علي تكاليف Et il dit qu'il faut trouver qu'il faut qu'il amène son monture. Il amène son monture, il le met devant lui pour qu'il monte lui. « Falamma wada'a rijlahu fi al-rikab » Quand il fait mettre sur les pieds dans al-rikab. Rikab, c'est ce qu'on appelle étrier. C'est même ça qu'il a fait qu'il met sur les pieds là-dedans pour qu'il gagne l'appui, il monte le monture, ce cheval ou ce chameau. Quand il met sur les pieds là-dedans, « Qala bismillah » Il dit « Bismillah ». Falamma stawa ala dhahrihi » Et quand il monte là-haut, il installé là-haut, qala alhamdulillah. Et là, il y a sa doua qui nous est trouvée hier, Rasoul Hassam, qui montre nous, et qui est dans l'ayat du Coran. Alhamdulillah, alladhi sakhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, louange à Allah, c'est lui qui fin assujetti sa monture là pour nous, il fin mettre dans nos services. Wa ma kunna lahu muqrinin, nous, pour nous-mêmes, jamais nous sommes capables. Tourne-les comme nous nous envie, wa inna ila rabbina lamunqalibun, et c'est vers Allah. Certainement qu'il nous pourrait tourner. Après ça, il dit, ثم قال الحمد لله ثلاث مرات. Après ça, il dit الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, trois fois. Qui fait trois fois veut dire beaucoup. Plus tigine de ce qu'il nous appelle beaucoup, comme ban ulama dit, أقل الكثير. Plus tigine de ce qu'il nous appelle beaucoup, c'est trois. Donc, il peut faire nous comprendre qu'il dit الحمد لله beaucoup. Et là, ban ulama expliquer qu'il y a chaque meaning dans chaque fois qu'il dit الحمد لله. ثم قال après ça il dit Allahu Akbar ثلاث مرات Allahu Akbar trois fois Rasoul sallam il s'y fait ça avant qu'il y ait doigt il l'a fait lui ici après qu'il finit le doigt nous peut trouver tout ça là une source Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui même montre ça ثم قال après ça il dit سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي pureté à toi ô Allah moi me fin fait l'injustice envers moi-même فاغفر لي alors pardonne-moi alors nous qui fait péché Donc, zolam tu nafsi, mofin, faire l'injustice envers moi-même. C'est ça un péché. Mais ça va être là. Rasulullah, ça ne va pas faire péché. Par exemple, Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Donc, ban abrar, je fais istighfar, même pour je, même si il ne passe un petit moment. Je ne pas fin faire zikrullah. Là aussi, je fais istighfar. Je sentis ça, comme on dit, je tiens un manquement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, beaucoup ban awliya, je t'explique nous qui, Qui fait quand nous sortons toilette, nous dire Rufranaka. Nous sortons toilette, nous dire nous demandons toi pardon, oh Allah. Qui fait? C'est pas qu'il nous a fait pécher là-dedans, mais c'est un moment qui nous finit dans la toilette là, nous finit capable de faire zikrullah. À cause de ça, juste ça, à cause de ça, tu manques moi là, nous faisons astaghfirullah. Ça, c'est une explication, certains man awliya. Alors, subhanaka, inni zalamtu nafsi faghfirli. Pureté à toi, oh Allah. Certainement, moi, finis faire l'injustice envers moi-même. Alors, pardonne-moi. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant certainement pena personne qui pardonne mon péché excepté toi oh Allah thumma dahik après ça il fin rire il fin faire sourire c'est na ali radiyallahu anhu fait un sourire
Fakil alo njibun jimande ya amir al-mu'minin o commandant de ban mu'minin calife min ayi shay'in dahikta kifa ou fin riye kifa ou fin fa souria qal li répond ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'ala kama fa'altu thumma dahik mufin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme mufin fait là là ça vient nous trouver qui tout son action qu'il fin fait là là il fin mettre sur les pieds les étriers li fin dire bismillah li fin monter li fin installer la la li fin li adwa alhamdulillah alladhi sakhkhara lana hadha quand li finit ça li fin fait alhamdulillah trois fois après ça li fin fait allahu akbar trois fois après ça li fin lire sa doa qui nous fin tendre là subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant pureté à toi ô Allah mo fin certainement faire l'injustice envers moi-même peine à personne qui pardonne péché à part toi. Les fins disent ça, après ça, les fins font un sourire. Rasulullah sallam, lui aussi, les fins rient, les fins font un sourire. C'est pour ça qu'il s'est dit Ali, radiallahu anhu, lui aussi, pareil, les fins font ça. Fakultu. Là, moi, je me demandais, ça veut dire, c'est dit Ali, radiallahu anhu, lui peut dire qu'il demande Rasulullah sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi sallam, min ayi shay'in dahikta, qu'ils a fait qu'il fin fait rire, fait sourire, qu'il lui dit, inna rabbaka subhanahu ya'jabu min abdihi idha qal, tu rabb, Subhanahu, li content, li satisfait avec son banda quand li dit Irfir li dhunubi, pardonne-moi mon ban péché. Quand Jimoun fait ça, il dit Allah pardon, Allah li satisfait, il content avec lui. Ya'lamu annahu la yaghfir adh-dhunuba ghayri. Allah dit li connaît, mon banda connaît qui personne pas pour pardonner ban péché excepté moi. Ça c'est une grande parole ça. Un Jimoun il fait péché. Un djimoun li fautif, quand même combien péché l'infer, le simple fait qu'il y retourne vers Allah. Sincèrement, il dit Allah pardonne-moi. Qui l'infer, beaucoup de travail l'infer là. Il fin en a confirmation sur iman, sur akida lo Allah. Qui c'est vers Allah même qui m'a pour retourner. Quand même quand mon al faire péché mon vini, quand même qui a été péché mon faire mon vini, c'est vers Allah qui m'a pour retourner. Et apporte lui personne pas pour pardonner. Un seul la porte mon a pour taper. C'est Allah sur la porte. Quand Jimoun fait ça, Allah content. C'est pour ça que Rasoul sallam il riait, il fait sourire, et c'est pour ça que Sayyidina Ali radiallahu anhu il fait sourire. Donc, là nous apprenons qu'un des bons moments, quand le bon nous fait istighfar, c'est quand? C'est quand nous montre le nous montre. Allah, c'est qui Sayyidina Ali radiallahu anhu il montre nous, c'est qui Rasoulullah sallam il montre nous, et il montre nous qu'il s'allait là, Allah est content, il est satisfait avec sa bandala. Et nous, s'allait là, nous fait un effort, comment dire, nous. Senti ce concept-là qui nous peut retourner vers Allah parce qu'il s'agit vers lui qui nous a pour retourner. C'est lui tout seul qui pardonne mon péché. Alors nous implorons lui pour lui pardonner mon péché. Alors nous avons un coup à cela qui bonnes affaires qu'il est recommandé pour faire à la lumière de ce hadith-là. Comment nous peut mettre les pieds aux étriers, nous dire bismillah. Bon, nous peut nous étriers, nous peut nous cheval pour monter. Mais seulement, ben, nous l'avons dit, nous l'applique aussi pour ben, les autres moyens de transport. Donc, comment vous voulez vous les pieds ou mettre dans le taux, vous voulez vous les pieds ou mettre l'obis. Ou lève les pieds ou mettez le sa footrest motocyclette là, dit bismillah. Ça c'est le principe. Quand on installe ou bien dans l'auto ou sur les autres places, là là on dit adoua. Alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Après ça, ou soit avant ça, comme on nous fait trouver dans le hadith hier, nous dire alhamdulillah trois fois et nous dire Allahu akbar trois fois. Là, nous faisons istighfar, comme Rasoul sallam il montre nous, ici, à travers Sayyidina Ali, radiallahu anhu, Subhanaka inni kuntu min al-zalimin, une façon de dire, ou soit, si on vit exactement comme il était ici, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli, pureté à toi, ô Allah, moi, fin faire l'injustice envers moi-même, alors pardonne-moi, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, certainement, peine à personne qui pardonne mon péché, excepté toi, ô Allah. Donc, nous faisons doigt qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fais-nous comprendre nos dînes, bénis-nous un voyage, fais qu'il nous gagne l'habitude de nous faire ça, ben quelque chose là, ben trésor ça, qui nous fait gagner avec Sayyidina Ali, avec Sayyidina Rasulullah. Alors nous gardons-le, qu'Allah donne-nous taufik pour pratiquer-le, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous comme dire, découvrir un trésor comme ça, ben petit quelque chose qui, quand nous pouvons faire, nous pouvons gagner énormément, quand nous pouvons faire Allah subhanahu wa ta'ala pour content. Qu'Allah bénisse nous dans le voyage et qu'il protège nous de ben mauvais quelque chose qui est là dans le voyage, avant et surtout après le voyage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire succès dans la dunya, dans l'akhirah.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.